Bienvenue, chers collègues, chers élus municipaux de partout au Québec, ainsi bien sûr que différents organismes partenaires avec lesquels nous travaillons. Nous sommes nombreux en ligne aujourd'hui. En fait, nous sommes plus de 300 personnes. Alors, merci à vous d'être présents. Pour moi et pour l'Union des municipalités du Québec, c'est une démonstration claire que le défi climatique est prioritaire et nous concerne tous. Nous sommes ensemble aujourd'hui pour le lancement de la plateforme municipale sur le climat de l'UMQ. C'est votre plateforme. Les changements climatiques sont réels. Nous voyons les impacts au quotidien. Je pense ici évidemment aux inondations, au vieillissement prématuré de nos infrastructures, à l'apparition d'espèces envahissantes. Pour moi, ce sont des exemples très tangibles. Les municipalités sont aux premières loges, malheureusement, de ces bouleversements climatiques. À l'UMQ, nous savons que le temps des mises en garde est derrière nous. C'est le temps de passer à l'action. Pas dans un an, pas dans cinq ans, mais tout de suite. Tout le monde est concerné et tout le monde doit agir. C'est un projet collectif. Depuis mars 2020, la pandémie de la COVID-19 a occupé une place majeure dans nos vies et dans l'actualité, et en occupe encore une grande place avec raison. Aujourd'hui, nous disons que la pandémie ne doit pas occulter l'importance de la lutte au changement climatique. Bien au contraire. C'est pour cette raison que l'UMQ a créé cette plateforme ambitieuse composée de 10 chantiers qui abordent une multitude d'enjeux qui touchent votre quotidien, le quotidien des municipalités. On souhaite encourager des gestes concrets pour la réduction et l'adaptation au changement climatique, et ça, évidemment, au bénéfice de nos citoyennes et de nos citoyens. L'UMQ veut offrir aux municipalités un outil pour comprendre la crise climatique, mais surtout pour cibler des pistes d'action possibles. Les municipalités ont un rôle majeur à jouer dans la lutte et l'adaptation au changement climatique. Toutefois, elles ne sont pas les seules à pouvoir agir. C'est une responsabilité qui est partagée. C'est pourquoi on veut une approche qui est concertée en matière de lutte au changement climatique. Sinon, il faut se le dire, on n'y arrivera pas. Ce projet de société, il est non seulement essentiel, mais il est aussi bénéfique pour toute la population. Chaque action entreprise dans l'un ou l'autre des 10 chantiers aura un impact positif sur un autre aspect de notre quotidien. Qu'est-ce que je veux dire par là? Mais par exemple, l'aménagement d'un territoire résilient, intelligent, peut réduire les risques d'inondation tout en favorisant le développement des espaces verts. Ces mêmes espaces verts, ils vont améliorer la qualité de l'air et peuvent aussi se transformer en parc où les enfants peuvent jouer en toute sécurité. Quand je pense à la revalorisation, par exemple, des matières, bien, ça nous permet de développer une économie circulaire qui a des retombées positives sur notre environnement, bien sûr, mais aussi sur notre économie et sur notre autonomie. Tout est interconnecté. Les municipalités sont des vecteurs de changement. Maintenant, c'est le moment de vous présenter la plateforme municipale pour le climat. C'est le moment de vous présenter votre plateforme. Thank you.
vous venez de voir un aperçu de votre plateforme. La plateforme a été créée grâce à la participation active des municipalités de toutes les régions du Québec. Son contenu a été rédigé en se basant sur une revue de littérature exhaustive, mais il est surtout issu de consultations effectuées auprès de nos membres, de nos partenaires au cours des derniers mois. Alors bien sûr, je veux en profiter pour remercier tous ceux et celles qui ont participé activement à ce beau projet qui nous projette justement vers l'avenir. Alors comme je l'ai mentionné, la plateforme comprend 10 chantiers. Chaque chantier est important, mais certains, bien sûr, occupent une place prioritaire. Vous serez d'accord avec moi si je vous parle, par exemple, de mobilité, d'outils d'urbanisme ou encore d'infrastructure. Alors, pourquoi? Pourquoi la mobilité est-elle prioritaire? Il faut savoir que 45 % des GES sont causés par le transport. C'est notre principal cheval de bataille. C'est un enjeu global qui touche toutes les municipalités de toutes les tailles et dans toutes les régions. Lorsqu'on parle de mobilité, bien sûr, on parle aussi de transport de marchandises, qu'il soit routier, ferroviaire, maritime. On parle de transport interrégional si on veut occuper notre territoire québécois. On parle de transport actif. On doit revoir nos façons de faire. Pas demain, maintenant. Il faut électrifier les transports. Il faut valoriser le transport intermodal. Je pense ici au transfert modal du camion vers le train et vers le bateau au bon moment dans la chaîne logistique. La plateforme vous propose plusieurs outils pour y arriver. Un autre chantier prioritaire, je le mentionnais, c'est l'aménagement du territoire, parce qu'on le sait, c'est l'une de nos principales responsabilités. Avec nos outils d'urbanisme, on peut transformer le visage de nos municipalités, avoir un réel impact sur notre environnement. Par exemple, on peut utiliser la réglementation d'urbanisme pour maximiser les plantations, réduire les îlots de chaleur. On peut optimiser l'utilisation du sol en redynamisant les secteurs industriels, les friches urbaines. On peut aussi, comme municipalité, préserver le patrimoine culturel, faire la promotion de nos produits transformés localement. Enfin, quand je vous parle d'infrastructure, alors on le sait, c'est véritablement un chantier qui est prioritaire. Elles sont au cœur des services que nous offrons aux citoyennes et aux citoyens à chaque jour. Malheureusement, elles sont malmenées par les changements climatiques. Elles sont de plus en plus difficiles à entretenir. Nous devons nous préparer à investir massivement dans nos systèmes d'approvisionnement en eau potable, d'égouts, de traitement d'eau, ainsi que dans l'aménagement d'infrastructures vertes. Maintenant, je vais en profiter pour vous présenter quelques vidéos. Nos porte-paroles de chaque caucus d'affinité nous parlent de leur réalité locale et de celle des municipalités qu'ils représentent. Cette plateforme-là va vraiment nous aider, nous, les municipalités, les gouvernements de proximité, à travailler en lien avec les changements climatiques. Joey Delaurier, maire de Saint-Donat, président du caucus des municipalités locales de l'UMQ. Vous savez, l'enjeu sur les matières résiduelles au Québec et surtout dans les municipalités locales. Il y a un certain déplacement de la démographie et les municipalités locales en subissent les contre-coups. On aura à faire face à une augmentation de traitement de ces matières-là. Augmentation de traitement voudra donc dire potentiellement augmentation des coûts. Est-ce qu'on peut optimiser les scénarios de déplacement, les scénarios de collecte? Ce que je pourrais conseiller à l'ensemble de nos municipalités membres de l'Union et autres aussi, la réduction à la source. L'impact des changements climatiques par rapport à nos écosystèmes, on en voit depuis plusieurs années. Vous savez, plusieurs municipalités ont adopté des réglementations par rapport à la protection des berges. Plusieurs actions ont été entreprises par différentes municipalités pour la lutte aux espèces exotiques envahissantes, notamment l'implantation de vignettes dans plusieurs municipalités, sur plusieurs plans d'eau au Québec.
L'impact des espèces envahissantes dans l'ensemble des municipalités du Québec a un impact financier important. Et on n'a pas le loisir de rien faire. On doit prendre action. Et de ce fait, plusieurs municipalités ont mis de l'avant des initiatives par rapport à l'arrivée de ces espèces envahissantes-là. Toutes ces actions-là font en sorte qu'on souhaite freiner l'arrivée du myriophile à épi et de d'autres espèces exotiques envahissantes. Moi, j'invite l'ensemble des municipalités à innover, à assumer leur leadership aussi en termes de changement climatique. Puis on a un bel outil qui a été fait en concertation avec beaucoup de municipalités. J'encourage toutes les villes à l'utiliser. Les municipalités sont des agents de changement et la réalité climatique nous a rattrapés dans les dernières années. Jean-Maurice Marthe, maire de Sainte-Terre et président du caucus des municipalités de centralité de l'UNQ. La plateforme, c'est un outil de réflexion, un outil qui va permettre aux élus, aux municipalités d'affronter la lutte au changement climatique. Ça nous donne des moyens, ça nous donne des pistes de solutions, des pistes de réflexion pour vraiment attaquer la lutte au changement climatique à partir de notre milieu municipal. On a bien senti, avec la pandémie qui nous a frappé, l'importance de l'achat local, l'importance de développer des économies de proximité. Alors, il faut regarder à l'intérieur de nos municipalités, à l'intérieur de nos projets économiques, qu'est-ce qui peut être adapté à cette nouvelle réalité-là. Il faut être plus sensible aux projets à caractère énergétique, à caractère d'énergie verte. C'est sûr qu'on néglige beaucoup la part de l'industrie forestière, ou du moins de la gestion de la forêt à la lutte au changement climatique. Il faut regarder toutes les opportunités, également au niveau de la biomasse. À Sainte-Terre, on a quand même une centrale qui produit 34 MW, 28 livrés sur le réseau d'Hydro-Québec, qui utilise 300 000 tonnes de biomasse. Donc, on est un exemple d'économie circulaire et de production d'électricité en lien avec la biomasse. Alors oui, il faut regarder, selon notre réalité, tout ce qui peut être utilisé pour favoriser la lutte au changement climatique dans notre production électrique. Pour faire un constat local des opportunités qu'on a chez nous en lien avec l'installation de réseaux autonomes, il faut regarder les programmes gouvernementaux qui sont accessibles pour développer ces projets-là. Le gouvernement doit accompagner les municipalités dans la lutte au changement climatique en mettant des mesures efficaces en place. Et évidemment, la plateforme sur le climat est un excellent outil qu'on doit s'approprier et utiliser. À long terme, ça veut aussi dire agir tout de suite. Marc-Alexandre Brousseau, maire de la ville de Thetford Mines et président du caucus des cités régionales de l'UMQ. La plateforme sur l'environnement, c'est important pour les cités régionales parce que c'est une occasion de réfléchir aux nouveaux enjeux qu'on est en train de rencontrer. De participer à cette plateforme-là, ça nous permet aussi de s'assurer de travailler à mobiliser notre population, mobiliser nos forces municipales pour contrer les enjeux qui sont reliés à l'environnement. La diversification des revenus pour les municipalités, ça a toujours été un enjeu important depuis des décennies. De pouvoir laisser un peu plus libre action aux municipalités dans des projets où est-ce qu'on pourrait contribuer et qui pourraient nous rapporter certaines sources de revenus. Je pense entre autres à des projets d'énergie verte. Les municipalités, les villes, les cités régionales comme nous, on a évidemment une responsabilité pour assurer la sécurité de nos gens, que leur quotidien se passe sans problème. Régulièrement, il faut mettre à jour nos plans, il faut se tenir au courant sur ce qui s'est passé ailleurs, sur les réactions que les villes ont eues, pour s'assurer d'adhérer aux bonnes pratiques. Puis c'est dans ce sens-là que la plateforme peut être intéressante. En matière de changement climatique, les villes, on n'est pas en concurrence les unes avec les autres. On peut tous avoir le bénéfice d'apprendre de ce qui s'est fait ailleurs. Vous conviendrez avec moi que leur message est fort, qu'il est mobilisant, qu'il est engageant. Les enjeux sont eux aussi les vôtres. Leurs solutions peuvent être appliquées partout au Québec. Les propos du président du caucus des municipalités locales, maire de Saint-Donat, Joé Deslauriers, démontrent bien que la proximité des municipalités locales avec le milieu naturel les rend particulièrement vulnérables aux espèces exotiques envahissantes.
Rappelons toutefois que ce problème peut aussi toucher les milieux urbains. Pensons simplement à un exemple qui est malheureusement trop bien connu, la présence de la grille du frein dans le sud du Québec. La plateforme municipale pour le climat réitère l'importance de bien étudier ces nouvelles espèces. On ne les connaît pas encore. On ne sait pas comment elles vont évoluer à travers le temps. Par ailleurs, le maire de Sainte-Terre, Jean-Maurice Matt, qui représente les municipalités de centralité, nous a bien démontré le rôle majeur qu'ils ont à jouer dans le développement économique des régions. Elles peuvent également contribuer concrètement à la lutte au changement climatique. La pandémie a créé un nouvel engouement pour la consommation locale et la sécurité alimentaire. La plateforme municipale pour le climat identifie clairement l'importance d'appuyer l'agriculture québécoise et urbaine. On parle ici, bien sûr, d'autonomie alimentaire et de circuits courts. Ces enjeux ne sont pas exclusifs aux villes de centralité. Ils touchent toutes les régions du Québec. Enfin, le président du caucus des cités régionales, M. Alexandre Brousseau, maire de Thetford-Main, nous a soulevé justement la résilience financière et la sécurité publique comme étant des enjeux cruciaux. Mais ce sont des thèmes qui concernent toutes les municipalités. Jusqu'à présent, il est impossible de mesurer exactement quel sera l'impact des changements climatiques sur nos finances. Mais nous savons d'emblée, par contre, qu'elle risque d'en souffrir. La plateforme met en lumière différentes façons de transformer la fiscalité municipale en misant, entre autres, sur l'éco-fiscalité et sur la diversification des sources de revenus. Maintenant, je vais vous inviter à entendre nos porte-paroles pour les caucus des grandes villes et des municipalités de la métropole. Ils ont eux aussi, ils constatent à tous les jours que comme municipalité, nous sommes sur tous les fronts en matière de lutte et d'adaptation au changement climatique. S'il n'y a pas un travail d'équipe entre les villes et les citoyens et les citoyennes, on n'y arrivera pas. Maxime Pénaud-Jobin, maire de Gatineau et président du caucus des grandes villes de l'UMQ. On a vraiment un outil pour dire, bien, a-t-on pensé à l'ensemble de ces mesures-là qu'on pourrait prendre? Pour moi, c'est d'abord un outil de référence, puis c'est aussi un outil de promotion. Pour moi, les villes ont un rôle d'agent de changement qui est central, c'est-à-dire que sans nous, ça ne changera pas. On s'occupe de qualité de l'air, on s'occupe de qualité de l'eau, on fait la gestion des déchets, on s'occupe du transport. Sans nous, vraiment, là, on ne peut pas lutter contre les changements climatiques. On a eu inondations, tornades, inondations, puis je dirais même COVID, parce que COVID, il y a une source environnementale à ces nouveaux virus-là. Le message, c'est si vous voulez pas que de plus en plus de villes vivent ce que Gatineau a vécu, bien, il faut qu'on se mobilise tout le monde parce que ça va finir par arriver partout. L'usure prématurée de nos infrastructures, c'est un enjeu majeur. Puis malheureusement, nous, on met énormément de choses en place, mais ce que ça prend, c'est des ressources financières. Il faut les repenser, là. Il faut les faire, dans certains cas, de plus grande taille parce qu'ils ne sont plus adaptés, par exemple, aux pluies diluviennes qu'on a. Il faut aussi qu'on aille vers des infrastructures vertes et protéger des forêts urbaines, avoir plus de parcs, avoir vraiment un tissu urbain qui accueille l'eau, par exemple. On s'est fait un plan à très long terme pour rénover l'ensemble de ces infrastructures-là et les adapter à la réalité climatique. Les changements climatiques ont un impact immense sur la santé et bien-être des gens. Ça fait qu'on peut penser les changements climatiques puis leur impact sur les gens comme quelque chose de comptable ou de budgétaire, mais c'est vraiment plus que ça, là. C'est de la souffrance, c'est de la misère, c'est empirer la situation de gens qui, des fois, vont déjà mal. Puis on pense, oui, à l'environnement, là, c'est important de protéger l'environnement, mais c'est protéger notre monde aussi, là. Je pense qu'il faut agir là où on a le plus d'impact, où est-ce que ça va être le plus efficace, parce que le temps presse. Valérie Plante, mairesse de Montréal, est présidente du caucus de la métropole de l'UMQ.
La plateforme pour le climat, c'est une très bonne chose. Moi, je suis très enthousiaste par rapport à cette initiative de l'UMQ parce que ça va nous donner la chance aux municipalités de pouvoir se positionner et d'avoir des outils qui sont intéressants puis de faire des propositions à nos citoyens qui veulent agir. La question du transport, c'est majeur. À peu près 43 % des émissions de gaz à effet de serre sont générées par le transport. C'est très important le transport collectif. C'est la meilleure façon d'encourager les gens à délaisser leur voiture. Et avec le transport collectif, on peut aussi rajouter du transport actif pour le dernier kilomètre, que ce soit à travers des bixi normales ou électriques, de la voiture, de l'autopartage également. Donc, c'est tout un réseau qui se développe au fur et à mesure qu'on ajoute des options de transport collectif intéressantes. Les grands alliés de la transformation de la mobilité à Montréal, mais même dans la grande région métropolitaine, c'est définitivement les citoyens qui en veulent du transport collectif. Ça, pour moi, c'est très, très encourageant. Les changements climatiques, pour l'ensemble des élus, on doit avoir ça en tête quand on pense à la planification urbaine. Quand on discute avec des promoteurs, d'exiger qu'il y ait des espaces verts à même les projets, ce qui n'allait pas de soi auparavant, il faut maintenant que ça fasse partie de la négociation. C'est compliqué à Montréal de décontaminer parce que la ville étant ce qu'elle est, la façon dont elle s'est développée, la plupart des territoires sont contaminés. Ça veut dire qu'il faut avoir beaucoup plus de ressources financières pour décontaminer et donc développer. Mais ça veut dire aussi de ne pas construire là où il y a des terrains qui ne sont pas contaminés. Le plan climat qui a été mis en place, qui est extrêmement ambitieux, qui a été salué partout à travers le pays, peut aussi aider des municipalités à se donner les moyens de leur ambition. Pour lutter efficacement contre les changements climatiques, moi, je considère qu'il faut que les municipalités, les villes, fassent des propositions audacieuses. Mettre en place des projets auxquels les citoyens et citoyennes vont pouvoir adhérer. Et pour moi, c'est la meilleure façon de fonctionner. Permettez-moi de revenir sur les propos du président du caucus des grandes villes, maire de Gatineau, Maxime Pedneau-Jobin. Parce que les grandes villes du Québec, ça regroupe la majorité de la population. Elles sont responsables d'assurer la sécurité et le bien-être de millions de Québécois et de Québécoises. La plateforme vise à développer une culture du risque forte chez la population. En d'autres termes, il faut améliorer l'efficacité de la prévention et de la protection. Il faut être capable d'avoir des comportements adaptés lorsqu'un événement majeur survient. Par exemple, lorsqu'un événement météo extrême est à nos portes, les grandes villes ont un rôle majeur à jouer en matière d'information, de sensibilisation. C'est un défi complexe pour des populations de 100 000 personnes et plus. Enfin, la présidente du caucus de la métropole et mairesse de Montréal, Valérie Plante, nous parle de l'importance d'exiger chez les promoteurs des espaces verts dans les projets immobiliers. En raison de l'espace disponible, de la densité de la population, on est obligé d'être créatif pour faire un peu plus de place à la verdure et ainsi pouvoir conserver des milieux humides. Ces enjeux, ils nous concernent tous. La plateforme veut outiller les municipalités pour protéger adéquatement ces milieux de grande valeur. Ces 5 vidéos se retrouveront sur notre micro-site qui deviendra pour vous, je l'espère, un outil d'action privilégié pour les changements climatiques. Maintenant, permettez-moi de vous présenter la pierre angulaire de notre engagement dans la lutte au changement climatique. La déclaration Unis pour le climat. Cette déclaration, elle est importante parce qu'elle marque une volonté politique. Elle est le point d'ancrage de notre action collective. Voici. Ensemble, nous disons, les changements climatiques provoquent des bouleversements mondiaux. Ils entraînent une augmentation d'événements météorologiques extrêmes, altèrent les écosystèmes, menacent la sécurité de millions de personnes et génèrent des coûts de plus en plus élevés pour les communautés.
Ensemble, nous disons, les changements climatiques exigent des réponses locales. Ils interpellent les gouvernements de proximité sur tous les fronts, dans chaque région et chaque municipalité. Des mesures concrètes doivent être mises de l'avant par les décideurs municipaux pour adapter les milieux de vie, les infrastructures et les services à la population. Ensemble, nous disons aussi que les changements climatiques nécessitent un engagement politique. Ils impliquent des décisions à court terme, parfois difficiles, pour un effet positif à long terme. Les changements climatiques font appel à une conception élevée du devoir des élus municipaux, et cela dans l'intérêt de la société. Ensemble, nous disons aussi que les changements climatiques sollicitent une responsabilité partagée. Ils demandent une réaction forte et concertée. Nous faisons toutes et tous partie du problème. Nous faisons tous et toutes partie de la solution. Gouvernement, société civile, citoyennes et citoyens. Ensemble, nous disons, les changements climatiques offrent des opportunités collectives. Ils représentent des occasions pour les municipalités d'accélérer la mise en œuvre de l'économie circulaire et d'innover en matière de mobilité, d'infrastructure, d'économie locale, de résilience financière, de gestion de matières résiduelles, de biodiversité, de santé et bien-être, de sécurité publique, d'urbanisme et bien sûr d'énergie. En conséquence, nous, élus municipaux du Québec, nous nous engageons à faire de la lutte et de l'adaptation au changement climatique les moteurs constants de nos décisions et à agir dans notre travail et dans notre vie personnelle avec une volonté d'exemplarité. Nous assumerons nos responsabilités en nous basant sur la science, avec la conviction qu'en faisant face aux défis climatiques, nous améliorerons la qualité de vie de nos concitoyens et de nos concitoyennes. Maintenant, je vous invite, chers élus de partout au Québec, à vous approprier cette plateforme, puisque c'est la vôtre, en adaptant d'abord cette déclaration par le biais d'une résolution du Conseil municipal. Le message doit être fort. Toutes les municipalités doivent prendre part au mouvement, s'engager pour le climat. Le mot de plateforme, vous savez, il n'est pas anodin. Nous souhaitons qu'elle vous inspire et qu'elle se traduise par des actions et des engagements concrets au sein de vos municipalités. C'est notre feuille de route climatique pour les prochains mois et notre priorité pour les prochaines années. Alors maintenant, si vous le voulez bien, nous allons procéder à la période de questions. Alors c'est tout simple, je vous invite à cliquer sur le bouton « Poser une question ». Alors c'est le petit icône avec un point d'interrogation en haut à droite de votre écran. Et à ce moment-là, j'aimerais bien aussi, quand vous allez poser des questions, que vous allumiez votre caméra, parce que j'aimerais bien avoir le plaisir de vous voir pour discuter avec vous. Alors, qui va briser la glace? Alors, il semble qu'on ait une question. Il y a un petit délai, c'est possible, mais on s'ajuste. Bonjour. Bonjour. Vous bien? Oui, je vous entends bien. Alain Zubnemi, je suis conseiller aux affaires économiques du producteur de grains du Québec. Et c'est avec plaisir que vous avez ce Ma question est spécifique à un enjeu que certains producteurs dans diverses municipalités le vivent, c'est celui des espèces exotiques envahissantes.
Quand on se promène un peu à travers la province, on remarque sur l'autoroute, là, ou dans les champs qui sont à proximité, au moins la phragmite, là, comme une espèce exotique envahissante. C'est sûr que étendue sur tout le territoire, et ça se multiplie, puis avec les changements climatiques, ça gagne de plus en plus les régions au nord et les régions qu'on appelle entre guillemets périphériques et dans ces nouvelles petites municipalités. Et les producteurs n'ont pas tout à fait toujours les moyens d'intervenir pour éradiquer ce fléau-là qui les guette à chaque année, parce que c'est une source non seulement d'entrave à l'agriculture, mais aussi, il y a les coûts, il y a l'entrave à l'agriculture, puis il y a aussi, ça devient des refuges pour d'autres insectes, d'autres espèces encore dangereuses pour leur culture. Je me demande, puis la question a été soulevée par plusieurs producteurs, on représente environ 2500 producteurs. Est-ce qu'il y a de plus en plus de moyens ou plus en plus d'actions ou de proactions de la part des municipalités d'agir dans ce cadre-là pour aider les producteurs parce qu'eux autres, ils n'arrivent pas à bout d'une part pour les contraintes que je venais de mentionner. Et d'un autre côté, il y a aussi l'aspect réglementation parce qu'il y a certaines réglementations d'intervention dans les fossés ou des choses comme ça qui limitent l'utilisation de certains produits. Est-ce qu'il y a moyen de leur venir en aide? Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup pour votre question. D'ailleurs, ça a été soulevé par notre président du caucus des municipalités locales que cette problématique-là, elle est importante pour les agriculteurs, elle est importante pour les riverains aussi. On voit que ça a un impact sur nos cours d'eau, nos lacs et tout ça. Et quand on parle justement de trouver des solutions et de travailler en collaboration avec la science, c'est un très bon exemple parce que plusieurs tests ont été faits. On n'a pas encore trouvé de solution miracle. Et comme ce sont effectivement de nouvelles plantes envahissantes, il peut y avoir des transformations et d'autres plantes qui apparaissent. Alors, c'est un travail constant et plus on va travailler en collaboration, bien sûr, avec les municipalités, avec les scientifiques, avec les agriculteurs, pour trouver des solutions, plus je pense on va réussir à ce moment-là à réduire la problématique, à mieux comprendre ces plantes-là, donc à pouvoir aussi mieux intervenir. Alors, c'est effectivement un sujet qui risque de nous interpeller tous collectivement pour les prochaines années. Merci. Faites-vous-en pas pour le petit délai, c'est juste le temps d'ajuster les choses. Alors, Manon, bonjour Manon. Bonjour Suzanne, bonjour Madame Auvoir. Je suis bien heureuse de participer à cet lancement-là aujourd'hui. J'avais choisi, dans le fond, la forêt, l'industrie forestière dans l'axe des économies locales. Et vous comprendrez, en particulier à Chibougamau, c'est quelque chose qui nous interpelle. On a eu l'occasion de s'en parler que pour nous, la forêt, c'est important dans toute la question de contrer les changements climatiques. Maintenant, la question que j'ai pour vous, Mme Roy, concrètement, comment voyez-vous la contribution des municipalités par rapport à toute la question de l'industrie forestière et la lutte au changement climatique? Alors, merci. C'est important parce que plusieurs posent la question quand on parle justement de la gestion de la forêt, l'utilisation du bois. Et je vous dirais que probablement qu'on connaît très mal l'apport de la forêt. Premièrement, se rappeler que c'est une ressource qui est renouvelable. Ça, c'est essentiel. Et qu'on peut ensemble bien gérer la forêt, s'assurer justement qu'on capte du carbone, que ce soit un élément positif dans les interventions face au changement climatique. Et pourquoi ne pas utiliser notre bois justement de plus en plus en termes de construction et on va avoir un apport en bout de ligne qui va être positif face à l'environnement. Alors là-dessus, je pense qu'il faut prendre le temps de parler, de bien expliquer la gestion de la forêt, comment justement on peut entretenir une forêt, en faire une ressource qui se renouvelle bien et que ça soit un plus en termes de changement climatique. Et les municipalités comme la vôtre, Manon d'ailleurs, ont un grand rôle à jouer, je vous dirais, au niveau de l'éducation.
Parce qu'il y a souvent de la contre-information aussi en termes de gestion de forêt. Et je pense qu'il faut prendre le temps d'expliquer aux gens l'apport positif que peut amener justement la construction en bois, la saine gestion de la forêt, la réutilisation de résidus. Alors, il y a vraiment une multitude de solutions que si on applique correctement et qu'on prend le temps de bien informer les gens, on va en faire un apport extrêmement positif pour les changements climatiques. Merci. Alors, on va passer à une autre question. Alors, Monsieur Germain. Oui, voilà, on vous voit. Mais je ne vous entends pas, par exemple. Voilà, pardon. C'est beau, là, on vous entend bien. Oui, on m'entend bien, d'accord. Écoutez, Paul Germain, maire de Prévost, je vous remercie aujourd'hui là, pour la rencontre. C'est vraiment excellent. Nous, à Prévost, on a un plan quinquennal là, avec 150 actions qui ont rapport au climat. La difficulté qu'on rencontre souvent, on est une petite ville de 13 000 habitants, 13 500 habitants, c'est d'avoir les ressources pour créer un règlement, par exemple en urbanisme, pour créer des programmes qui sont intéressants. Donc, je me demandais si dans une version ultérieure de la plateforme, il ne pourrait pas avoir une fonction là, où on pourrait échanger entre villes nos bons coups, mais pas seulement avec des communiqués, mais avec nos règlements et puis nos autres documents. Merci beaucoup. D'ailleurs, ça me permet de parler de Phare Climat, qui est un site qu'on a mis en place justement, où on partage les bons coups. Mais dans le cadre de la plateforme, on va continuer, puis on va aller plus loin, parce que c'est important ce que vous nous mentionnez justement. À un moment donné, on n'a pas toutes les ressources à l'intérieur de notre municipalité, même si on a des merveilleuses idées puis un beau plan d'action. Alors, on va mettre en place aussi, suite au lancement des outils, de la formation, des lieux de partage justement, et on ne sera pas obligé de toujours réinventer la roue. Quand il y a déjà des éléments qui sont faits dans une autre municipalité, on va partager. Ça aussi, c'est une bonne façon de gérer nos ressources. Ça nous permettrait à tous d'aller beaucoup plus vite et d'atteindre nos objectifs communs. Là. Je vous remercie. Ben, ça me fait plaisir. Et bonne chance avec vos 150 actions. C'est un beau défi pour l'avenir. Alors maintenant, la prochaine question. On se promène là, dans les régions. Ça paraît pas, mais on se promène dans les régions. Alors, bonjour. Bonjour. Donc, je suis Catherine Baudin, donc conseillère municipale responsable des dossiers environnementaux à la ville de Granby. Donc, je suis très intéressée par la belle présentation jusqu'à présent. Donc, on a besoin de se réunir, de se regrouper nos forces pour aider à lutter contre les changements climatiques. On vient de déposer une politique et d'adopter une politique de conservation des milieux naturels. Et je dirais que c'est pas facile parce qu'on n'a pas beaucoup d'outils en tant que municipalité pour protéger nos milieux naturels. On est vraiment, à la merci des promoteurs. Ils ont vraiment le gros bout du bâton et même quand on se tourne vers le ministère de l'Environnement, oui, les milieux humides sont protégés, mais il y a toujours moyen de les saccager. On peut toujours contourner par le biais des certificats d'autorisation qui sont peut-être distribués assez facilement. Quand on pense à protection des milieux humides, ben, il faut tenir compte des zones tampons et c'est comme pas tout le temps, c'est comme jamais le cas. Et donc là, on essaye par des outils urbanistiques de protéger le maximum tout en laissant quand même les propriétaires des grands terrains quand même jouir de leur terrain. Hein, ils sont propriétaires. Mais je trouve qu'on manque de poigne en tant que municipalité
pour protéger nos milieux naturels. Donc, c'est pas vraiment une question, c'est plus quasiment un cri du cœur qu'il faudrait peut-être avoir plus d'outils à dans notre petit panier et surtout avoir plus de moyens plutôt que de rester. Oui, il nous faut des taxes pour vivre, mais il y a peut-être d'autres choses. L'écofiscalité, c'est pas encore assez présent. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui manquent d'informations là-dessus. Je pense que notre rôle, c'est vraiment de diffuser l'information, de sensibiliser les gens et puis d'essayer de tirer le meilleur parti des outils qu'on a à notre disposition. Donc, voilà, il n'y a pas vraiment de question. Je compte sur vous pour pousser dans mon sens. Oui, bien, tout à fait. Je pense que vous l'avez bien mentionné. C'est de se doter d'outils supplémentaires. Il va y avoir une grande conversation nationale sur l'aménagement du territoire au Québec. Ça sera l'occasion, je pense, pour les municipalités de se faire entendre, d'exprimer justement leurs besoins en termes de réglementation. Et vous l'avez mentionné, il y a le nerf de la guerre. 70% de notre fiscalité dans la majorité des municipalités au Québec, c'est l'impôt foncier. Alors, il faut aussi revoir en profondeur notre fiscalité municipale. À ce moment-là, ça sera peut-être encore plus facile de pouvoir faire avancer les choses, modifier les mentalités, puis aménager différemment nos territoires. Alors, vous avez raison dans votre commentaire et nous continuerons effectivement dans ce sens. OK. Donc, vous avez tout mon soutien pour l'instant. Bien, merci. Merci beaucoup. Alors, on a une autre question qui s'en vient. Alors, nous allons passer de Grimby à... Ça ne devrait pas tarder. Voilà. On s'excuse pour le petit délai. Mais ça fait un an qu'on vit avec les petits délais, donc on commence de plus en plus à s'habituer. Voilà! Bonjour. Bravo pour l'initiative. J'ai deux questions pour vous. La première, pour les personnes qui veulent se présenter aux prochaines élections, qui ont la volonté d'amener des idées écologistes, est-ce que vous avez un moyen de les accompagner? Vous parliez de formation, mais est-ce qu'il y a quelque chose peut-être un peu plus personnalisé pour ces personnes-là? Et deuxième question, est-ce que vous avez pensé à un moyen aussi pour contrer une sorte de greenwashing de peut-être ces futurs élus ou des anciens élus, de l'éco-blanchiment, de contrer l'aspect on vend des beaux projets, des belles choses, mais finalement c'est des petites initiatives qui n'ont pas vraiment beaucoup d'impact ou qui sont même peut-être néfastes. Alors, dans un premier temps, au niveau des outils, bien sûr, j'en ai parlé rapidement tout à l'heure, mais on va avoir un micro-site donc, qui va être disponible. On va avoir une boîte à outils aussi au niveau de la réalisation. Et après, je vous dirai que ce sera le processus électoral qui fera ses choix. Ce seront les citoyens, les citoyennes qui analyseront justement les projets présentés par chacun des candidats pour faire leur choix. OK. Je vous remercie. Ça me fait plaisir. Vous étiez de quel endroit? Ah, je l'ai perdu. Alors, voilà. Alors, est-ce qu'on a une autre question? Oui, on a une autre question qui s'en vient. Alors, bonjour. Je suis Jean Durin, maire de Val-des-Monts. Pour ceux qui ne connaissent pas la municipalité, Val-des-Monts, c'est une municipalité d'environ 12 500 habitants. À quelques minutes du centre-ville de Gatineau et particulièrement d'Ottawa. Alors, un bassin de population d'environ 1,8 à 2 millions qui décident de prendre leurs vacances à tous les week-ends et à toute la saison estivale dans la région. La particularité de la municipalité, c'est que nous possédons 120 lacs et un bassin versant important et qu'ils déversent tous, évidemment, dans la rivière Outaouais. Alors, un angle qu'on devrait regarder assez comme il faut, c'est vraiment la navigation. Sur deux aspects. Les embarcations de ce jour sont pas les embarcations qu'on avait dans les années 60-70. On a des embarcations qui ont des motorisations de 3 litres, 4,3 litres, 5,7 litres,
Écoutez, gaz à effet de serre, on vient d'en trouver un petit peu ici, là. Sans compter les effets néfastes sur les rives et évidemment les espèces envahissantes. Écoutez, je pense qu'on va tout changer. C'est un commentaire, Madame la Présidente. On a tous un travail important à faire à ce niveau-là. Un travail d'éducation des navigateurs. C'est très important de les éduquer. Et malheureusement, il faut répéter le message quasiment annuellement. Et Valdémont, malgré la publicité qu'on en fait, tout ça, je crois qu'il y a plusieurs paliers gouvernementaux qui devraient entrer dans l'action. Pour ceux qui me connaissent, vous le savez que je suis président du comité de navigation des municipalités locales. Nous travaillons très fort pour venir à bout de faire comprendre au gouvernement fédéral l'importance de donner des outils aux municipalités locales ou enfin les municipalités qui possèdent des plans d'eau intérieurs. Alors, il faut continuer à travailler dans cette direction, car je crois sincèrement, si on détruit nos plans d'eau, on détruit la source d'eau de plusieurs résidents et on détruit évidemment Dame Nature à s'amuser. Et particulièrement dans la situation actuelle de COVID, le nautisme a pris une popularité vraiment incroyable et on s'attend à la même chose cette année. Alors, c'est un commentaire un peu de ma part, mais il faut sensibiliser les gens, il faut viser cet angle-là. Merci. Bien, merci, puis je suis contente que vous ayez fait le commentaire parce que vous êtes un excellent porte-parole pour bien vulgariser, bien expliquer l'impact de la navigation si on n'y met pas les règles, si on n'y met pas les solutions pour que nos enfants puissent aussi aller à Valdémont et profiter de ces beaux paysages, de ces centaines de lacs-là. Alors, bien sûr, c'est un dossier que l'on porte avec vous et le caucus des municipalités locales et surtout auprès du gouvernement fédéral. Et soyez assurés que vous allez continuer d'avoir notre appui pour faire avancer ce dossier-là, mais surtout qu'on finisse par avoir des solutions qu'on peut mettre en place dans les municipalités. Merci, merci infiniment. Merci. Alors, j'ai une autre question. Non. Non. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Donc, pardon, je suis en train de prendre le français. Vous le parlez donc, très bien. Je vous le parlez très merci. Bien. Alors, je vous invite à continuer. OK. Merci. Donc, j'habite à Rosemère. Je suis une membre du comité citoyen d'environnement. En même temps, je suis membre d'une OPNL, Rosemère Vert. Donc, je voudrais expliquer à vous que... je suis très d'accord avec tout que vous avez dit, mais en même temps, je voudrais expliquer que c'est très, très difficile de sensibiliser les élus sur les problèmes de le climat. Et, c'est très difficile de le sensibiliser de le niveau d'effort qui est nécessaire. Donc, parce que dans une ville à Rosemère, c'est comme ils ont protégé 13 hectares de terre de valeur écologique, mais ils pensent que c'est comme une quid pro quo, que parce qu'ils ont protégé cette 13 hectares, ils peuvent construire ce 30 hectares de leur ancien terrain de golf, mais il ne comprend pas que les deux sont nécessaires pour protéger, de faire les choses sérieuses contre la lutte contre climatique, le changement climatique. Et je suis très d'accord avec tout que vous avez dit, mais au niveau local, c'est très, très difficile pour les gens de faire les choses qui sont nécessaires, parce que les élus, ils ont besoin d'être plus sensibilisés. Donc, est-ce qu'il y a les choses que l'UMQ
peuvent faire pour sensibiliser les élus de le vrai niveau, pas le greenwashing, pas moitié, parce que c'est très difficile pour les citoyens de le faire. Merci. Merci, merci beaucoup. Alors, évidemment, actuellement au Québec, il y a tout un débat sur l'utilisation des golfs de façon générale dans plusieurs municipalités au Québec. Alors, c'est sûr qu'il y a des discussions avec les municipalités, les différentes municipalités qui sont touchées, avec les différents ministères qui sont touchés. Alors, évidemment, je pense qu'une plateforme comme celle qu'on a lancée aujourd'hui peut donner des idées, peut donner des outils pour faire différemment dans l'avenir. Et il faut, là aussi, bien sûr, tenir compte de la volonté des gens et des citoyens. Mais il y a quelques années, nous parlions des changements climatiques et c'était vraiment, je vous dirais, un concept qui était moins concret. Alors aujourd'hui, ce concept-là vient de plus en plus concret et c'est ce qui nous amène à voir que ça a beaucoup bougé dans les dernières années et que je suis convaincue, si on se revoit dans 10 ans, les choses auront beaucoup évolué et plusieurs adultes, comme vous dites, prendront conscience de la nécessité de faire des changements importants pour notre environnement. Merci. Alors, on a une autre question? Ça ne devrait pas tarder. Voilà. Est-ce que vous pouvez ouvrir votre caméra? On entend du son, mais on n'a pas la caméra. Pardon. Voilà, merci. Allez-y, c'est à vous. Bonjour. Donc, moi, je travaille avec le Réseau national des conseils régionaux en environnement. Je m'appelle Bérénice. Et c'est moi qui ai repris la plateforme Phare Climat depuis quelques semaines. Et donc, bah, évidemment, au Réseau national, on est très, très intéressé par votre projet et en total soutien de cette initiative qu'on trouve excellente. Et donc, je m'excuse, j'ai des petits problèmes de connectivité au début, donc j'espère que je n'ai pas raté la réponse à la question que je m'apprête à poser, mais je voulais vous demander concrètement comment vous envisagez le partage d'informations. Est-ce que c'est déjà décidé? Est-ce que ça va être des capsules vidéo, des fiches techniques, des conseils de financement? Comment est-ce qu'on voit ça? Alors, je vous dirais, ce sont toutes ces réponses. Donc, il y a un microsite qui va être mis en place où vous allez retrouver des capsules. On va monter des outils aussi pour les municipalités, pour la mise en place, alors comment interagir. Et il va aussi y avoir des formations données au niveau de l'Union. Donc, il va y avoir plusieurs possibilités pour aller chercher cette expertise nécessaire. Et je pense que le site dont on parlait, justement, Phare Climat, est aussi une bonne façon de s'informer sur des initiatives. Merci. Et on espère que les gens vont aller mettre leur initiative sur le site pour pouvoir les partager, donner des petits trucs. Après ça, c'est facile. Comme un autre intervenant nous l'a dit tout à l'heure, on ne veut pas réinventer la roue à un moment donné. Si quelque chose est déjà fait dans une ville, ben, ça nous aide à être plus efficaces et pouvoir agir plus rapidement. Alors, il va y avoir une multitude de moyens qui vont être mis en place pour que la plateforme soit accessible à tous. On va être ravis de se faire le porte-parole de ces initiatives, en tout cas. Bien, merci beaucoup. Alors, est-ce qu'on a une autre question? Oui, alors ça s'en vient. Oups, ça s'en vient. Et voilà, on est rendu à Gaspé. Imagine les ondes. Bonjour, président. Bonjour tout le monde. Au fond, je n'ai pas nécessairement de questions, c'est plus des commentaires pour saluer le leadership de l'UMQ dans ce dossier-là. Tout le monde en parle, mais on dirait que bâtir un document de travail et commencer à avancer pour le vrai, ça prenait quelqu'un, ça prenait un leadership pour le faire. Donc, je salue ton leadership, Suzanne, et le leadership de l'Union là-dessus. La plateforme, elle est très large. Quand on prend le temps de toutes l'éplucher, là, ceux qui siègent dans les différentes instances de l'Union l'ont tous vu, elle est très large. Je pense notamment à certains sujets comme la mobilité qui est au cœur de nos vies en région, mais aussi dans les grands centres urbains où on a toujours des enjeux de mobilité. Je pense aussi à toutes les questions de jumeler. Souvent, on a
opposition environnement et économie, alors que c'est environnement égale économie. Ici, on carbure à l'énergie éolienne, on fabrique des composantes pour la planète au complet, ça crée 800 emplois dans ma petite ville de Gaspé, puis ça génère autant des retombées environnementales que des retombées économiques. C'est un autre exemple qui me passe en tête. En tourisme, c'est la même chose. Quand on protège l'environnement, nos paysages, etc., ça génère de l'économie. Bref, je salue vraiment le travail qui a été fait par l'UMQ. C'est extraordinaire comme travail. La plateforme, elle est complète. Moi, en tout cas, je voulais juste te lever mon chapeau très haut, Suzanne, et le lever à toute l'équipe de l'Union derrière ce beau succès. Alors, merci Daniel, et ça me permet de remercier de façon très, très particulière Geneviève et Jean-François à l'Union des municipalités qui ont vraiment travaillé extrêmement fort au niveau du contenu suivi de la concertation. Ça n'aurait pu être possible un tel résultat sans leur travail totalement extraordinaire, mais vous savez, quand je les regardais aller, ce que ça me disait, c'est que quand on y croit, on excelle, et dans ce cas-là, ils ont excellé. Vous voyez le fruit aujourd'hui. Alors, merci. Alors, merci à tous. Ça va être le mot de la fin, Daniel. Merci. Merci à tous pour vos questions, vos commentaires. Ce n'est qu'un début, hein, ce n'est pas la fin. Alors, je tiens à vous rappeler que sans votre participation aux consultations, à la mise en place et surtout dans le futur, soyez porteurs de cette plateforme dans chaque municipalité au Québec. Alors, au nom de l'UMQ, je vous dis merci. Merci beaucoup pour vos actions et ce que vous apporterez dans les prochains mois et dans les prochaines années. C'est une question d'avenir, c'est une question de qualité de vie pour nos citoyens. La lutte, l'adaptation au changement climatique, ils sont primordiaux. Il y a urgence d'agir pour ceux et celles qui vont venir après nous. On fait tous partie de la solution, pas seulement du problème, et nous devons y contribuer. Alors, encore une fois, je vous encourage à d'abord adopter cette déclaration d'engagement uni pour le climat. Engageons-nous ici, maintenant, à prendre les actions qui s'imposent pour faire la différence. Car les GES d'aujourd'hui vont déterminer le climat de demain et nous avons tous besoin de vous. Merci beaucoup.